Bonjour à tous, je viens de recevoir un colis de chez AliExpress. Donc ils m'ont regroupé dans une même enveloppe toutes mes commandes dans différentes boutiques. Donc je vais vous faire voir ça. Donc j'ai déjà ouvert les enveloppes pour regarder ce qui était arrivé. Et je vous fais voir ça tout de suite. Alors, là, ce sont des cabochons. Alors, je n'ai plus le terme exact. C'est pour mettre au-dessus d'une perle pour décorer pour un bijou d'album. Donc, comment vous le faire voir? Comme ceci. Donc, voilà, vous avez la perle qui vient se mettre en dessous et le fil qui passe par le trou. Donc, vous pouvez en mettre soit un seul au-dessus, soit mettre la perle entre les deux. Alors attendez, parce que c'est pas évident à vous faire voir, c'est vraiment tout petit. Voilà, comme ceci. Donc ils sont en forme de corolle de fleurs, de feuilles, donc comme une fleur. Ils sont vraiment magnifiques, couleur argent. Ensuite, j'ai pris donc ce sont des rubans à pompons. Donc comme ceci. En couleur rose saumon pour le premier. Le même en blanc. Donc je l'ouvre pas pour, mais c'est exactement le même que celui-ci. Donc vous avez un morceau de ruban et les pompons qui pendent en dessous. Voilà. Donc en blanc, en vieux rose et en rouge lit de vin. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle cette couleur. Donc voilà. Il est vraiment super cette couleur. Hop. Ensuite, ce sont des dentelles. Donc elles sont très peu larges. Elles sont assez fines. Et moi, je voulais essayer, voir, elles étaient aussi peu chères. Je voulais voir pour m'en servir comme de ruban en fait. Donc ce sont des dentelles qui sont comme ceci. Donc c'est pas de la dentelle d'une dentelière française. Hein. C'est vraiment, c'est fait machine, forcément. C'est pas cher, ça peut pas être fait main. Donc elles sont très jolies. Donc j'en ai une en rose presque fluo comme ceci. Celle-ci, c'est un bleu foncé, très foncé. Donc, comme ceci. Celle-ci, c'est pas enroulé de la même manière, mais c'est la même dimension, le même dessin, c'est en noir. Celle-ci, pareil, en blanc, c'est toujours le même dessin. En gris. Dans un rose beaucoup plus clair et dans un blanc cassé comme ceci. Donc au niveau de la texture, moi c'était pour faire des décorations sur des petits éléments, voire même sur certains de mes albums. Donc, hop. Ensuite, dans celle-ci, alors je l'avais ouverte forcément. Ce sont des œillets. Donc les mêmes que la dernière fois, je les ai juste recommandés et ils sont encore dans mon panier parce que je vais en recommander puisque j'en prends régulièrement. Donc des œillets bronze. Hein. Au niveau de la taille, on est sur du n'importe quoi. On est sur du 0,8. Au plus large et au dos le trou lui fait 0,5. Donc voilà, couleur bronze. Ensuite, alors c'est
encore du pompon. C'est les mêmes que les autres, mais je les ai pris dans une autre boutique. Et ils sont en noir. Parce que dans la première boutique, je ne les avais pas trouvés en noir. Donc voilà, c'est les mêmes que les que la précédente, que ceux-là. C'est exactement la même chose, mais dans une autre boutique. Hop, celui-ci. Alors, c'est de la chaîne couleur bronze, très petite, pour faire des bijoux d'album. Donc, il y en a une très grande longueur. Je crois que c'était 3 yards, je ne sais plus. De toute façon, je vous mettrai le lien en incrustation, vous pourrez aller voir. Ça pèse vachement lourd, mais en fait, voilà, c'est un sachet avec de la chaînette dedans. Très petit maillon, mais pour faire le bijou d'album, c'est ce que j'adore. Ensuite, dans celui-ci, alors, j'ai un petit cadeau. Donc, c'est un petit oiseau, tout petit. Donc, comme ceci, la taille de l'oiseau, ça fait un tout petit peu plus de 4 cm de long. Et en hauteur, ça fait 2,5. Donc, il est vraiment petit, mais il est mignon. Pour mettre sur des ATC, voire même sur une petite carte avec d'autres animaux. Impeccable. Et avec, j'ai pris un dies pour faire des fleurs en 3D. J'ai vu sur Instagram quelqu'un qui s'en était servi. Donc, c'est fait en spirale. Vous découpez votre papier et ensuite, vous venez l'enrouler. Donc moi, je vais essayer ça sur plusieurs sortes de papier, des épais, des moins épais, des toutes sortes de matières. Voir pour... Non, sur du tissu, je sais. À voir si ça découpe le tissu. En mettant plus d'épaisseur au niveau de la Big Shot, peut-être. Donc voilà, donc il y a cette façon-là avec les petites dômes. Et celle-ci, c'est un peu moins serré. Et toutes les dents ne sont pas... Il y a une petite, une grande, une petite, une grande. Voilà. Donc, chaque spirale fait une sorte de fleur. Pareil, je vous mettrai les liens en incrustation pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Alors, j'ai regardé en même temps les prix. Donc, les petits cabochons comme ça, ils appellent ça bonnet de chapeau pour faire des bijoux d'album. Ils sont à 3,20. Dedans, il y en a 100. Voilà. Les dentelles comme ceci, elles étaient à 63 centimes. Dedans, il y a 10 yards. Donc, même celles qui sont mises comme ça, c'est exactement la même chose. Il y a 10 yards. Elles sont toutes au même prix. Ensuite, les pompons comme ceci, ils étaient à 77 centimes. Les dies, comme ceci, ils étaient à 2,28. La chaîne, elle était à 1,50€. Et les œillets, ils étaient à 55 centimes. Et les pompons, comme ça, là, ils étaient chez une autre boutique, ils étaient à 35 centimes. Donc, ceux-là, il y a un yard dedans. Et les autres, il y avait 2 yards. C'est pour ça qu'ils étaient le double de prix, en fait. Voilà. Et j'avais également un autre article, mais que j'ai offert à ma fille. C'était un dies Harry Potter. Donc, vous aviez le nom avec la police Harry Potter, Harry. Et les petites lunettes qui étaient sur le dessus, en fait. Vous aviez le nom Harry et les lunettes au-dessus. Donc, je lui ai donné. Je ne sais pas où elle l'a rangé. Je vais... J'essaierai de vous mettre le lien en incrustation pour que vous puissiez aller le voir. Lui, il était à 2,06€. Voilà, donc j'ai reçu toute ma commande AliExpress. Voilà, donc je vous mettrai bien sûr les liens, puisque j'ai la page de ma commande. Et voilà, donc moi c'est une petite commande, pas très grosse, mais je dois restreindre mes achats, donc... Une 20aine d'euros, c'est déjà bien. Voilà.
en sachant que cela fait un mois que je ne suis pas allée à Action. Donc, il me reste encore 4 mois. Voilà. Je tiens le bon bout. J'ai fait un cinquième du temps que je m'étais donné. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à bientôt. Au revoir.